Oh voilà, ici c'est la prod, toute cramée. Et voilà, alors moi c'est Martine, salut les amis, comment ça va? J'ai fait deux, trois petites apparitions sur la prod toute cramée. Ouais, je vous fais plein de bécos, je vous roule des galoches. Ah, je vous fais tout plein de galoches, je vous mets même, ouais, c'est pour toi, et toi aussi. Alors bon, moi c'est Martine, et bon, je suis sur la prod toute cramée, c'est Jojo, il m'a dit, alors viens nous raconter ta anecdote de hier soir, c'est marrant. Alors bon, je vais vous dire ce qui m'est arrivé hier soir. Alors bon, c'était 19h30, je traînais vers Esquignol. Bon, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai mes affaires de sport, je vais faire du sport, ouais. Alors bon, j'ai ma carte au fitness. Alors bon, je prends mes affaires, mon baluchon, convaincu, déterminé, je m'en vais au fitness. Ouais, à cette heure-là, il y a Jean-Ed, il aime bien regarder quand je pousse du cul. Il est dans la salle d'à côté, il fait la fonte. Après, il fait punch punch. Ah ouais. Ouais. Alors bon, j'arrive comme ça, au cours de 19h50. Et alors déjà, le professeur, voilà, il avait un drôle d'accent. Il arrive comme ça, il fait oh, salut, salut! Ouais, il parlait comme ça, un peu, il avait une voix un peu sortie du nez. Ouais, alors déjà en plus, il portait un collant, tout collant, il était jaune pastel, comme du pipi délavé. Oh, c'était tout pastel avec des froufrouteries. Il y avait de la froufrouterie en bas et derrière il y avait un petit pompon. Ouais, un petit pompon, une petite bouboule, une petite pompon. Alors bon, déjà je me dis c'est quelque chose qui cloche. Il est où, Monsieur Gustave? Monsieur Gustave, c'est le professeur d'abdos fessiers. Il nous fait faire bourrico, bourriqui, tac-tac, tac-tac, voilà, tac-tac, c'est assez physique. Et alors là, je vois le prof, il est un peu hippie, ramollo, il fait alors, salut les amis! Ouais, il avait une drôle de voix. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. J'avais peut-être pas le cours de 2h45, ou je me suis trompé de salle, je suis bien à Esquignol. Je regarde sur mon smartphone, ouais, t'es à Esquignol. Ouais, non, il est bonne heure, hein, ouais, je suis à la bonne salle. Bon, et là, le professeur, il fait. Alors, ouais, il a déraillé un peu de la voix, alors bon. Rangez votre smartphone, on va faire la gymnastique. Ok, bon, j'ai rangé mon smartphone, j'ai pas de mèche, j'ai pas de poche, j'ai qu'un legging. Ça. Ah ouais, j'ai mis dans la chatte. Ouais, il est waterproof. Waterproof. C'est comme mon rouge à lèvres. Ouais, je peux faire toutes les lèvres et c'est waterproof. C'est bon ça. Alors voilà, voilà, il nous fait comme ça. Alors voilà les amis, voilà les copines. Déjà, il nous parlait comme ça, comme si on se connaissait, on avait vu le porte-pique ensemble. Alors salut les copines. Oh, salut les copines. Voilà, moi c'est. Alors moi c'est Joued. Joued. Ouais, je remplace. Voilà, Gustave, hein, Monsieur Gustave, ouais, Monsieur Gustave, il est, ouais, il a le corona, il a pas pu venir, voilà, non, alors bon, c'est moi qui remplace, alors, on va faire comme ça, on fait trois alignés de trois, vous êtes neuf, alors ça fait un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept,
8 et 9, là, il nous a bien montré qu'il savait compter, tu vois, genre 4, il a fait, il a compté, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, après il fait maintenant, vous allez mettre la main gauche sur la fesse droite. Alors là, je me suis dit, c'est quoi cet exercice? Bon, je mets la main droite sur la fesse gauche, il dit, mettez la main droite sur la fesse gauche. Alors je fais ça, et il dit maintenant, vous mettez le nez au sol. Oh ouais, et après, j'ai passé dans les rangs, et là, ouais, le connard, il nous a mis des doigts dans le cul, il a dit, c'est pour vous détendre le fessier, c'est un exercice, recto-fessier, érecto-fessier. Alors moi, tu connais, moi c'est Martine, je lui ai dit, monsieur, vous n'êtes pas monsieur Gustave, c'est trop d'exercices que vous nous faites faire, c'est presque pornographique. Et il a fait, bon mademoiselle, on range sa langue. Je lui ai fait, ouais, je l'ai mise dans la chatte. Mais non, je déconne, c'est une blague à Martine, hein. Bon, alors, ouais, le professeur, il enseigne, il fait, alors maintenant, on met la main dans la petite culotte, et on froufroute, on froufroute. Et alors là, je vois Gentiane à côté, elle est en train de froufrouter. Je vois ça mouille un peu dans le pont, dans le leggings, comme ça. Ouais, derrière, ça froufroute. Elle fait faux, elle fait derrière, elle fait ah! Ouais. Je vois une à une, elle suit pas. Elle trouve ça trop compliqué, elle fait un truc bizarre, comme ça, elle a pas compris l'exercice. Ouais, elle est toujours un peu en retard dans les temps, c'est. Ouais, c'est Bertadine, ouais. Alors là, vraiment, tout le monde fait l'exercice comme ci, comme ça, et le professeur, il avait un petit rictus. Ouais, il bavait un peu comme ça. Et il fait alors maintenant, pendant qu'on froufroute avec une main, on met deux doigts dans le nez et on fait voilà, une, deux, une, deux. Et alors bon, il y en a une ou deux à gauche. Bon, alors Jean-Cyan, elle fait comme ça, elle était appliquée. Comme ça, mais à côté, t'as commencé aussi à trouver des choses louches, hein, avec son petit collant à froufrou, pastel. Et alors là, soudain coup, il y a quelqu'un qui entre dans la salle, couché comme ça. Il était, je sais pas, c'était Monsieur Gustave, il était bâillonné, il avançait comme un petit ver de terre. Salut les amis, oh salut les copines, oh, je me suis fait agresser par monsieur bizarre, il a qu'une drôle de voix. Ouais, il nous a fait comme ça, monsieur Gustave, il avait été bâillonné, il était déjà parti là, le professeur pervers, il nous a fait se froufrouter, le connard. Oh, c'était pas Monsieur Gustave le remplaçant, c'était un farfelu. À côté, donc en train de faire comme ça. Je lui ai dit non, mais le prof, il a été bâillonné. Mais elle m'a fait non, mais moi j'aime bien, je mouille. J'ai fait ok, bah ouais, bah reviens. Bah vas-y, il est là-bas, je l'ai vu derrière l'arbre, cours-lui après.